En visite chez des amis en Bretagne, j'ai garé mon bus devant une petite maison aux volets bleus. Derrière les volets, j'ai rencontré quelqu'un avec une belle histoire à raconter, à dessiner plutôt. Celle d'un homme plusieurs fois mis à terre par des drames personnels et qui s'est chaque fois relevé avec courage et panache, comme ses trois enfants qui ont perdu leur maman beaucoup trop tôt. L'un d'entre eux, d'ailleurs, le petit Malo, partage à 11 ans déjà sa sagesse. Il faut rester debout. Thierry Garance est un multi-artiste talentueux, plusieurs fois récompensé, maquettiste à Charlie Hebdo et ami d'enfance du célèbre dessinateur Tinius, assassiné avec d'autres de ses copains pendant les attentats à la rédaction du journal en 2015. Pour Joy for the Planet, il a accepté de témoigner et de nous offrir une fleur de lotus née de la boue des souffrances passées, sublimée. Il faut simplement naturellement demander à l'univers ce qui est beau, ce qui est bien pour soi. Et ça arrive. Et c'est forcément facile, ça se fait en plusieurs étapes dans la vie de chacun. Et quand on a compris ça, je crois qu'il ne peut plus rien arriver. De grave en tout cas. Quand on a choisi le bon, et quand on a choisi l'amour et le partage, ben voilà, c'est gagné. Après, tout se passe bien. Pour son exemple et pour avoir choisi la lumière à l'ombre, Thierry Garance est notre 15e nominé de la joie. Se mettre au service de la beauté, je me suis aperçu que c'était ce que je faisais déjà. C'est évident. La beauté, ça guérit tout. Parce que la beauté, ça englobe l'amour, le dialogue, la compréhension, l'envie d'être ensemble. Et peut-être que tous ces événements forts donnent encore plus de puissance sur vivre l'instant chaque jour. Et la vie, on la voit soit triste, et c'est pas drôle, soit ben ça va, quoi. Et peut-être qu'il faut arriver au fond du trou pour se dire non, mais le trou, là, en fait, j'en veux pas. C'est raison. On veut pas qu'on est dans le trou. Non, après, tu restes dans le trou et t'es pas là. Toi, qu'est-ce qui te met en joie, Malo ? De l'avoir encore. Ah, mon petit blond. En hommage à son ami Tinius, il m'a fait le cadeau d'un dessin sur Bigoudi. Et pas n'importe lequel. C'est le fameux panda de la série en dessin animé d'après Tinius, Panda dans la brume, 29 fois sélectionné par des jurys internationaux et deuxième prix du meilleur court-métrage au North Bay Art and Film Festival. Tinius, il faisait toujours ça. C'était un gars qui était de l'amour. Tu prends de l'amour, tu vois, tu mets sur une personne, voilà, et t'as le gars, quoi. Pour que la lumière puisse continuer à se transmettre, nous avons créé trois nouvelles lampes solaires ensemble, avec deux de ses enfants et une jeune amie de la famille. Ainsi passe de main en main le flambeau de la joie.